Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball et Legends, ou et plus particulièrement une vidéo de dinguerie. Vous allez voir, c'est un délire. Bref, juste avant de commencer le sujet de cette vidéo, je tiens à vous informer qu'il y a eu des nouveautés sur le jeu Dragon Ball Legends le 22 décembre. Ça a été dit officiellement de la part des développeurs de Dragon Ball Legends sur le compte Twitter officiel. Il va y avoir une vidéo and stuff, comme on a l'habitude de les voir. Il y a souvent les nouveaux persos qui sont teasés, en sachant que le 20 décembre, il y a également la Jump Festa. Alors, on pourrait avoir le dévoilement de certains persos pendant la Jump Festa. Et ensuite, le 22 décembre, pendant cette vidéo, vidéo and stuff, eh bien, on pourrait avoir le gameplay des persos avec le showcase, etc. de ces youtubeurs. Donc, je sais pas, à voir. En tout cas, les gars, sachez que les news vont bientôt popper et il y a de fortes chances du coup que le portail avec les nouveaux persos de Dragon Ball Legends pour Noël arrive le mercredi 23 décembre. Bref, à présent, passons au sujet de cette vidéo, c'est un délire. Je vous explique un petit peu comment ça s'est passé. Hier, je faisais du PVP pour vous sortir une vidéo showcase de ma team avec les Zenkai Gogeta, Badak et Goku SSJ 3 Zenkai, mais également le Goku LF Namek Zenkai. Je trouve que cette team casse bien des bouches. Le tout premier combat de la vidéo, les gars, je tombe sur un gars, je suis en train de me taper, ça se met à laguer, latence de ouf et tout. Bon, c'est pas vraiment ça le problème. Moi, voilà, j'ai crié au cheater et tout ça. En fin de game, j'ai reçu un message sur Twitter. Je vais pas vous en dire plus pour l'instant. Vous allez d'abord regarder cette game et ensuite, vous allez réagir dans les commentaires et me dire ce que vous en pensez. Moi, sur le coup, je ne pensais pas qu'au final, c'était possible. Bref, je vous en dis pas plus, regardez la game. Oh, très grosse team en face avec du Gohan Zenkai Trunks et Gotenks Zenkai également. Bon bah nous on va prendre les Zenkai, hein, Badak, Gogeta et Goku SSJ 3. Et en face, la guilde, c'est All For One. C'est pas la guilde de Fitzadri? Oh, je sais pas, j'ai un doute. Bon, ça risque d'être un très très gros combat. Allez, on va se concentrer. Let's go. Oh, ça y est, ça commence. Oh, ça y est, ça commence. Oh purée, ok. Donc là, je sais pas si c'est devenu un bot ou pas. On va le savoir après, hein, de toute façon. Ok. C'est un délire, quand même, les déconnexions. Alors, je sais pas si c'était voulu ou non. Ok, parfait. Tap attaque, nickel, ça. Allez. La verte. La verte, elle est pas passée. Non, la game, elle est pas fluide, là. La game, elle est pas fluide. Ouais, ouais, mais normalement, c'était carte verte avec Gogeta. Et après, je pouvais recombo derrière. Non, c'est... Ok, allez, on encaisse. Vous vous rendez compte tout ce que je prends? Parce que la carte verte de Gogeta n'a pas... Ok, strike cancel, parfait. Ok. Là, c'est fluide, là. Ok. Bon, je pense pas que c'est un bot, hein. C'est pas un bot, parce que le bot, il fait pas de trucs comme ça, de switch. Donc, ça a pas quitté pour le mec, et vu que la game est pas fluide... Tap attaque, parfait. Ok. Tu vois, le bot, il switch pas comme il vient de le faire. Par contre, là, la tap attaque est pas passée. C'est pas possible, ça. Oh là là, je sais pas si vous allez vous en rendre compte ou pas en regardant l'écran, mais moi je vous le dis, hein, téléphone en main, c'est pas fluide. C'est pas fluide. Il y a un temps de latence. C'est pas possible. Strike cancel, allez, voilà, prends ça. Il aime pas ça, les strike cancel. Bon, je vais Rising Rush, hein. Allez, direct. Ah non, eh, franchement, c'est horrible, les gars, de jouer comme ça. Donc, je sais pas si c'est passé. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas un bot. Parce que la game, sinon, elle deviendrait tout de suite beaucoup plus fluide. On va bien voir, hein. On va bien voir. J'espère pas me faire douiller, quoi. C'est tout ce que j'espère. Ok, vas-y, je vais switch, voilà. Voilà. Ok, bagarre.
Ok, on est bien. Yes, ça passe. Ouh, ça passe. Donc le bot, pareil, hein, il fait pas normalement des scores comme ça. Non. 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 Mais non, mais vous voyez ou pas? Donc voilà, c'est pas un bot, c'est le mec, il fait exprès de faire laguer la partie. Au moment là où il est dans le mal, regardez ce que ça donne. Voilà. 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 Donc non, au bout d'un moment, ça y est, stop, il y en a marre des cheaters. Non, au bout d'un moment, stop. Donc là, voilà, je fais quoi? Là, je fais quoi? La vérité, c'est bon, c'est trop. C'est trop. Première game de la journée, voilà. Ah, vas-y, ah, vas-y. Allez, vas-y, allez, voilà, voilà, vas-y, fais des dégâts, va. Cheater, là, vas-y, fais des dégâts, allez. Donc là, maintenant, voilà. Ouais, mais non, mais là, mais non, mais ouais, ouais, ouais. Et voilà comment perdre un perso. Non, bah là, je vais pas te le lâcher, tu vois, Badax qui va te faire. Tu vois, Badax qui va te faire. Tu vois ce qu'il va te faire. Il va mettre Gotenks. Donc si il met Gotenks, on va d'abord... Ah bah non, il met pas, ok. Ok, on reprend un peu de life, ok. Boum. Tu vois ce que je vais te faire. Regarde bien. Bam. Voilà. Voilà. Putain, il y en a marre de ces mecs-là, là, qui font laguer les connexions et tout. Tout se passe bien, tu vois et... Ça lag, après ça revient, ça lag, après ça revient. Et ça relague dès que c'est eux qui sont en difficulté. Faut arrêter, au bout d'un moment, c'est stop, faut arrêter, tu vois. Victoire, c'est quoi son pseudo? Pelo Balboa. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, ça a lagué, je crée au cheater, etc. Mais attention, c'est pas fini. À la fin de cette game, je reçois un message privé sur mon compte Twitter du joueur en question, justement. Alors, je vous remets les screens hein, du combat que j'ai pu faire. Et je tiens également à préciser, ce n'est pas la guilde de Fitzadri. À la fin du combat, j'ai appelé direct Fitzadri. Je lui ai dit, frérot, je crois qu'il y a un cheater et tout dans ta guilde, etc. Je lui ai envoyé les screens. Il m'a dit, non, non, Soso, moi, c'est All for One avec F-O-R. Et non pas le 4. J'ai dit, ah, d'accord, ok. Donc voilà, je vous remets les screens. Comme quoi, j'ai bien eu la victoire contre Pelo Balboa. J'ai gagné 54 points. C'était ma première game de la journée. Je vous remets également l'historique. Dans l'historique, il y a bien marqué victoire pour moi, défaite pour Pelo Balboa. Je vous remets également les connexions instables qu'il y a eu. Je crois qu'il y en a eu 3 au moins pendant le combat. Voilà, il y a eu avec le Badak. Attendez, voilà, il y a eu avec le Gogeta. Et du coup, là, voilà, je reçois. GG à toi, Sofiane. C'était une belle game, même si le PVP lag de ouf. Et donc, c'est bien le joueur en question qui a reconnu mon pseudo parce qu'il me suit sur YouTube et il m'envoie les screens. Effectivement, ce sont bien les screens de la game en question. Sauf que là, lui... Eh bien, il y a marqué dans l'historique « Défaite pour moi et victoire pour lui ». Alors que moi, dans mon historique, c'est « Victoire pour moi ». J'ai dit « Mais c'est quoi ce délire ?» Donc du coup, il me dit « Continue à nous faire des vidéos et des lives sur DBL, c'est un régal à regarder ». Donc déjà, si tu regardes cette vidéo, bah, merci à toi, ça fait vraiment plaisir. « Je suis un... » Alors ça, c'est le correcteur administrateur. Non, « Je suis un admirateur de l'ombre sur tes lives ». Donc merci beaucoup. Donc forcément, ça me fait tilt. Je lui réponds à son message et je lui dis « Lol ». Donc je lui envoie le screen qu'effectivement, c'était bien moi, qu'on s'est bien affronté. Sauf que là, moi, je lui montre, il y a eu des connexions instables. Et je lui montre le screen ici en question. Défaite pour lui, victoire pour moi, tu vois. Alors que lui, c'est l'inverse. Il a eu la victoire. Mais on l'a bien vu sur la vidéo, c'est moi qui ai gagné, tu vois. Et du coup, je lui montre également dans mon historique que, eh bien, la victoire est pour moi et que la défaite est pour lui, Pelo Balboa. Alors, c'est là où j'ai pas bien compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai eu une game qui a lag quasiment du début à la fin. Au début, il y a eu le problème de connexion instable dès le début de la game. J'ai pensé que voilà, c'était passé à un bot ou quoi, mais au final, non. Parce que il y a encore eu des lags par la suite et on a encore eu 2 connexions instables à la suite de cette game. Alors, moi, c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je reçois ce genre de message que moi j'ai eu la victoire et que lui aussi il a eu la victoire. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu ce genre de bug, ce genre de problème sur le jeu. Au début, moi je croyais que c'était du cheat, hein, tu vois. Après, je sais pas, le game a l'air d'être de bonne foi, c'est un abonné, tout ça. Je sais pas, dites-moi vous si vous avez déjà eu également l'expérience, parce que pour le coup,
Ben moi, ça ne rien y comprendre. Puis voilà, je tiens tout de même à préciser, je suis pas dans le top leader, etc. Hier, j'étais top 7K ou top 8K, je sais plus. Là, aujourd'hui, j'ai pas encore rejoué, je suis dans le top 10K. Donc forcément, je vais rejouer histoire de remonter 2-3 000 places. C'est ce que je fais un peu tous les jours. J'ai encore le temps, il me reste quasiment presque une semaine encore pour être classé vraiment dans le top 10K et récupérer les cristaux, comme chaque saison, à chaque fois, c'est ce qu'on fait. Mais là, je comprends pas comment ça se fait que j'ai affronté quelqu'un qui a lag tout le long de la game, mais qui au final a eu la victoire, et limite, j'ai l'impression que lui aussi, il a eu ses lags, et que limite, c'était pas de sa faute. Donc voilà, moi, je me demande si au final, c'est pas le jeu des fois qui a un sérieux problème. Alors je sais pas, vous me direz dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez, en fonction de votre expérience également sur le jeu. C'est la première fois que je vois ça, pour moi, c'est une dinguerie. Que moi j'ai la victoire et que lui aussi ait la victoire alors que j'ai eu une partie dégueulasse et que lui aussi apparemment a eu une partie dégueulasse alors que moi en vidéo bah, on voit bien que c'est moi qui ai gagné la game hein. J'ai le gameplay qui fait preuve deux fois tu vois pour cette vidéo. Je ne sais pas les gars, dites-moi ce que vous en pensez, j'attends vraiment vos réactions, j'aimerais les connaître à ce sujet. Comme d'habitude les gars, max de pouces bleus sur cette vidéo. Demain je vais sortir une vidéo tuto demain midi pour les nouveaux joueurs qui sont sur le jeu Dragon Ball Legends. Comment faire pour Zenkai vos persos, je vais tout vous montrer de A à Z. On va Zenkai un perso, on va augmenter l'arbre de compétences jusqu'à 1400%, on va aller chercher des âmes Zenkai, etc. Bref, voilà, je vais vous montrer comment ça se passe. Bien entendu, c'est une vidéo pour les nouveaux joueurs parce que cette question, eh bien, revient très souvent. Encore hier en live, cette question est revenue. Donc voilà, je vais vous faire cette vidéo. Et demain, en fin de journée, random chelou contre le frérot Fitzadri, justement. Voilà, comme là, du coup, on s'était parlé, ben, on en a profité, du coup, pour faire un random rush, les gars. Et voilà, franchement, c'est une dinguerie, les gars. Est-ce que c'est pas le jeu qui, par moment, est cassé? Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Sur ce, les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas également que la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, vous abonnez à la chaîne de Sofiane le Geek? Ça a l'air super! Non, 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 non! Yeah!